Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2023 pour Volodymyr Zelensky, qui est né le 25 janvier 1978 à 14h à Kryvyi Rih, en Ukraine. Donc voici son thème natal. Donc il est Verseau, ascendant Gémeaux, de signe d'air. Donc comme pour Poutine, je ne vais pas parler de son thème natal, je vais passer directement donc au prévisionnel, donc toujours la même méthode, je vais faire avec les transits, la révolution solaire et puis les directions secondaires. Donc on va commencer par les transits, donc on va mettre à la date actuelle jusqu'à l'année prochaine, je m'étends sur à peu près un an, mais voire peut-être plus, selon les circonstances, avec les planètes, notamment Land, qui nous montrent un peu les grandes périodes, les grandes durées, je peux déborder, forcément. Donc on commence toujours pareil, donc je vais commencer par... je vais commencer par le... Ouais, pas Pluton, allez, on va commencer par Pluton, on va faire dans l'ordre. La plus lente à la plus rapide, c'est-à-dire Mars, on va pas faire les autres, sinon c'est moins important, après selon les... Voilà, donc Pluton, alors lui, il est forcément fin du Capricorne, 26°08. Donc là, j'ai cliqué dessus, mais alors, faut pas trop s'y fier. Vous voyez, là, par exemple, ils ont mis un carré. Donc là, forcément, Soleil transite, donc on s'en fout. Parce que ça va passer très vite. Il y a l'opposition, pareil, Lune noire transite actuellement dans le ciel. Donc là, il m'a mis avec les planètes célestes. Donc c'est à moi de voir si ça touche ses planètes natales. Donc là, il y a un sextile dans le ciel. Donc ça, c'est pareil, Neptune, on va pas en parler. Donc le natal. Alors... Avec Pluton, il y a un quinconce avec Saturne et avec Jupiter. Donc ça peut donner une petite contrariété, des difficultés, des complications. Alors il y a un Pluton en 8, déjà Pluton en 8, c'est quand même des grands changements. Pluton peut-être la transformation, de la destruction, tout ce qui on va dire, amène à des grands changements de vie qui se font dans la durée, forcément. Ce qui est que Pluton, c'est imperceptible, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est souvent des grandes crises qui durent sur plusieurs années. Ici, c'est dans sa maison 8, donc la planète du scorpion, justement, en analogie avec la planète, Pluton aussi. Donc là, on voit qu'il y a des grands changements qui se font pour lui depuis, forcément, cette crise ukrainienne, même avant. Et donc le quinconce à Saturne, qui est maître justement de la 8. Il est 8 au Capricorne. Donc là, le quinconce ne s'affiche pas, mais il faut imaginer ici un petit trait vert, un grand trait vert. Alors, je pourrais les mettre éventuellement, mais bon, ça va me prendre du temps, je vais perdre du temps. Donc on voit que ça touche son Saturne en 4 en Lion. Donc là, ça veut dire qu'il y a un blocage. Alors avec le quinconce, c'est pas non plus très fort, mais ça peut se dépasser. On voit qu'il est un peu quand même touché par rapport à ça. Par rapport à l'Ukraine, quoi. Donc il essaie de trouver, il a des soutiens des États-Unis entre autres et de l'Europe, mais comment dire, il est quand même second maître de 7, puis Jupiter maître de 7, donc il a des soutiens, on voit, mais qui sont pas forcément totalement voués cause, voués pour sa cause, parce que on voit bien que s'il y a un problème, on connaît comment fonctionnent les Américains, ils retournent vite leur veste et ils mettent le chaos partout, ils arrivent, et puis après, ils s'imposent en sauveur, c'est la stratégie popier pyromane, mais après ils laissent un peu les pays comme ça, et des fois ils peuvent se retrouver un peu le bec dans l'eau, comme on dit. Donc on voit bien que cet aspect-là, voilà, d'un côté il soutient, mais pas totalement. Donc ça lui amène quand même des blocages, des problèmes. Et avec Jupiter, y a quand même cette notion de partenaires qui sont pas forcément très très fiables entre guillemets, qui sont ambigus. Et l'autre aspect qui est important, c'est l'opposition de Mars. Alors je vais l'avancer parce qu'il va arriver donc l'année prochaine, donc en 2023. Alors je vais avancer dans le temps, donc quand Pluton va passer, voilà. Hop, en 2023, au mois de mars, il y a l'opposition, donc Mars-Pluton. Alors, l'opposition Mars-Pluton est assez fort. Donc là, Pluton, il va rester longtemps, comme c'est la planète transitée, là, qui va passer en sa maison 9 en plus.
Alors, ça va être important chez lui. Ça passe dans sa maison neuve. Donc, ça veut dire que là, il y a des changements qui vont se faire par rapport aux relations diplomatiques, enfin, dans les relations internationales avec les autres pays. Donc, là, il risque de vivre de grands changements par rapport à ses idéaux, déjà, sa philosophie, mais surtout par rapport au contexte actuel, il risque de vivre des grands. Grande difficulté. Encore une fois, mais alors là, c'est très puissant, parce que ça va passer après sur son soleil. Alors là, attention, parce que ça peut amener vraiment, comment dire, une destruction presque du pays. Hein. Maître de 4, le soleil. Alors, c'est pas tout de suite, hein. Ça sera peut-être plus dans 3-4 ans. Mais déjà, il a l'opposition de Mars. Et ça, donc déjà, il va le sentir. Hein, le Pluton qui se rapproche du Soleil, il va commencer à le sentir, hein, qui va être peut-être de plus en plus affecté par cette guerre, forcément. Et l'opposition de Mars, bah, c'est une opposition assez destructrice, hein, une opposition de guerre et de violence. Donc Mars-Pluton, c'est vraiment la destruction. Donc là, il peut, comment dire, alors c'est souvent à travers des échanges, 3-9, il a un Mars en 3. Là, il peut y avoir une volonté guerrière, là. Volonté guerrière de détruire la Russie. Donc, on a déjà vu qu'il a fait appel aux États-Unis, enfin, au peuple allié, là, qui veulent, enfin, aux pays alliés, qui demandent à faire une frappe nucléaire préventive, hein, rien que ça. Hein. Donc, c'est quand même révélateur de quelqu'un qui veut amener à la guerre, hein, comme la plupart de nos dirigeants qui veulent pas l'apaisement, comme a dit par exemple von der Leyen, nous ne voulons pas l'apaisement. Donc ils veulent tout ce qui aura pas avec la paix, ils ne veulent pas, ils refusent. On a vu Elon Musk qui avait fait une proposition de paix, il a été complètement vilipendé par Zelensky déjà, puis par le reste. Entre autres, hein, c'est un exemple, mais voilà. Donc on voit bien qu'ils veulent la guerre à tout prix. Donc ça c'est extrêmement dangereux, hein, parce que c'est la Russie en face, hein, c'est pas le Burkina Faso ou je sais pas quel petit pays. Et là, c'est vraiment la deuxième puissance, la première puissance nucléaire mondiale. Donc là, franchement, c'est hyper dangereux. Mais il continue à mettre de l'huile sur le feu. Donc là, on le voit et ça va pas se calmer forcément l'année prochaine. Ce Pluton-là opposé à son Mars, c'est une volonté vraiment de faire la guerre. Mais aussi, il peut, de son côté, recevoir aussi beaucoup de violence. Hein. C'est pas que lui qui en crée. Forcément, avec un Mars opposé Pluton, il peut devenir violent, ça c'est sûr. De plus en plus véhément, de plus en plus guerrier, belliqueux. Mais en même temps, bah forcément, il y aura des répliques. Hein. La Russie ne se laissera pas faire. Donc forcément, de toute façon, je vous ai dit, par la Russie, on voit bien, c'est une continuité. Donc on va aller en intensité. Hein. Là, on voit bien, on va en intensité au niveau de la guerre. Le problème, c'est que Pluton passe en neuf. Alors attention, est-ce que pas d'autres pays s'y mêlent? Ça, c'est pas impossible aussi. Je pense notamment à la Chine, l'Inde, voire les États-Unis, l'Europe, etc., les grosses nations. Pourquoi pas d'autres? Donc c'est vraiment un aspect, retenez-le, très majeur et très important, parce qu'il va durer quand même un moment. On voit bien que Pluton est très lente à avancer, donc elle va revenir sur Mars toute l'année, elle va osciller, hein, elle va revenir en Capricorne, elle va être en face de Mars, donc Pluton là il va être vraiment violent, là. Donc c'est pour ça que la guerre est loin d'être terminée. Hein. Alors pour Pluton, voilà, j'ai fait un peu le tour. Il n'y a pas d'autre aspect qui ressort, mais déjà cet aspect-là est très très puissant. Donc forcément, c'est déjà pas mal, on va dire. voilà. Alors ensuite, on va faire. Alors je vais revenir à la date où je suis. Donc Neptune. Alors on va regarder Neptune. Alors Neptune, Poisson chez lui en 11. Pareil, Neptune. Alors, là, fin Poisson, je dirais, fin carré à la 7 pour l'instant, depuis un certain temps. Donc, ça peut. Alors, c'est le maître de 7, 10 secondes, maître de 11. Donc, on voit les soutiens outre-Atlantique, donc notamment les États-Unis. Soutien maritime, peut-être. Mais, attention, il y a un carré à la 7. Donc, là. Ça peut. Alors, il y a déjà eu un carré à Neptune il n'y a pas longtemps.
Et il est encore un peu effectif, hein. Vous voyez que Neptune fait une dernière passage rétrograde avant de revenir direct en fin d'année, dans un mois à peu près. Voilà, fin novembre. Donc, on va dire que le carré est encore un tout petit peu présent avec son Neptune natal. Ça, c'est le maître de l'illusion. Donc ça, s'il peut créer vraiment, voilà, il est dans le flou aussi, mais il peut créer des mensonges via l'international, Neptune en Sagittaire, et au niveau politique. Donc ça, c'est quand même aussi le signe du désarroi aussi un peu qui est présent, mais qui peut être trompé ou tromper les autres. Hein. Neptune, carré la 7, on est un peu dans le flou et on peut être trompé ou tromper les autres. Voilà. Donc attention, parce qu'on voit bien que peut-être qu'il a l'art de manipuler, d'être un peu évasif et de jouer un peu sur la corde sensible avec les peuples, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, cette notion-là. Et ensuite, Neptune, bon, bah, il va terminer sa course en poisson. Alors, ça va durer des années. Donc là, forcément, je ne vais pas m'étendre parce qu'après, bah, il fera des aspects, mais beaucoup plus tard. Donc, d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, Neptune, voilà, je dirais rien d'autre. Ça va rester tel quel un peu au courant de l'année. Donc, voilà, il y a toujours ce côté un peu de désillusion et de voilà, puis il y a Jupiter qui revient à la fin d'année, donc ça va lui rapporter un peu de force à cet aspect. Alors ensuite, je vais faire Uranus. Donc Uranus, lui, il est toujours en taureau, donc rétrograde. Et alors lui, c'est intéressant. Alors là, je vais parler de Saturne et Uranus, parce que qu'est-ce qui se passe? Uranus, vous voyez, j'en avais déjà parlé, si vous revoyez mes précédentes vidéos. Il fait une opposition à son Uranus natal. Donc là, il vit un demi-cycle uranien, comme on dit. Voilà. Et en même temps, il vit un demi-cycle saturnien. Donc il y a ce qu'on appelle un grand T carré qui se forme dans le ciel entre Saturne et les deux Uranus, là, donc Uranus natal et transit. Donc là, il y a le dernier carré dans le ciel, hein, jusqu'à la fin de l'année. Alors, on sait que Saturne va revenir direct bientôt. Et ce qui est important, c'est que Saturne va arriver à transiter sa maison 10. Voilà, donc c'est bientôt fin d'année. Voilà, 14 décembre, dans ces eaux-là. Hein. Et Uranus, lui, donc toujours rétrograde. Hein. Voilà, donc là, ça va être intéressant de voir. Et ça va se rapprocher de son opposition de Saturne natal. Alors, je vais avancer encore. Voilà. Donc février, fin février, début mars, j'imagine. Et donc, alors déjà le T carré Saturne-Uranus, c'est quoi? Uranus maître de 10, Saturne. Alors j'avais dit, il risque de peut-être avoir des ruptures diplomatiques alors, avec des alliés en hein, neuf. C'est pour ça que, attention à la désillusion avec Neptune, mais en même temps les ruptures. Et après, ça passe sur sa 10. Et sa 10, c'est la carrière. Donc là, attention, parce qu'il peut y avoir vraiment un frein, quelque chose qui le bloque, quelque chose qui peut le freiner, le frustrer. Et donc, attention, parce que si ça fait donc le demi-cycle saturnien, comme on voit ici, il peut vraiment, comment dire, en plus, il a un Saturne en 4, donc ça, c'est la volonté de construire dans une nation le côté. Mais il peut être aussi voir la ruine d'une nation, comme on voit déjà là, actuellement. Et là, c'est un aspect très fort. Et ce qui est important de voir, c'est que c'est son maître de 8, Saturne. Donc la 8, c'est la maison de la mort, la destruction. Alors, maître de 7, donc là, il peut y avoir des fins de relation et en même temps, un risque, pourquoi pas, de décès. Alors attention, je le mets bien en conditionnel parce que, on va dire que bon, c'est un aspect qui est assez puissant, mais qui ne veut pas forcément dire le décès en sens propre. Mais c'est une forme de mort. Alors ça peut être une mort économique, c'est pas forcément une mort de sa personne, hein. Il faudrait voir déjà si le soleil est touché. Alors Pluton il passe sur le soleil mais plutôt après, donc c'est vrai qu'il y a quand même après coup, voilà, mais c'est pas tout de suite. Mercure, Lune, maître d'ascendant par exemple ne sont pas forcément touchés là comme a priori je vois pas d'aspect, il faudrait que je regarde par la suite. Hein, mais donc bon, pas forcément une mort physique mais attention, c'est possible. Mais en tout cas il y a des grands... Un grand vide intérieur, un grand blocage, un grand échec, en fait. Ça, c'est l'aspect de l'échec, hein, l'aspect voilà, du vide intérieur. Donc attention, parce que ça joue sur son destin, la 10, la carrière, le travail, la destinée.
Et donc forcément, février, à mon avis, ça va être décisif, hein. On va suivre ça de très près, mais il y a un gros risque là qu'il se passe quelque chose d'important pour lui. D'autant que si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez, Jupiter maintenant, Jupiter passe sur son nœud sud quelques jours avant. Donc ça c'est pareil, c'est un aspect karmique. Hein, quand une planète passe sur un nœud sud ou l'inverse, le nœud sud qui passerait sur une planète. Bon là on va dire que ça passe un peu plus vite, hein, c'est l'affaire de quelques jours, semaines maximum. Et donc ça révèle quand même, parce que c'est le mètre de 7, second mètre de 10 et de 11. Donc ça peut jouer sur le plan diplomatique des relations. Là, il peut quand même avoir des soucis. Alors en même temps, c'est un carré aux lunes noires, se regarde bien, à l'ascendant. Donc c'est vrai que c'est pas impossible que ça joue sur sa personne. Mais là, il peut y avoir des nations qui se liguent contre lui, pourquoi pas. Alors en même temps, il a eu un trigone de Mars un peu avant. Donc en même temps, c'est pas non plus tout négatif, parce qu'il a quand même des soutiens politiques, hein, on voit bien. Un second mètre de 11, Mars en 3. On sait qu'il a beaucoup de soutien au niveau militaire. Hein, donc Jupiter trigone Mars, ça peut renforcer aussi cela. Soutien dans l'armée, de l'armement. Mais attention, il n'est pas non plus exempt de déception et de frustration et de revers de situation. Surtout quand on sait comment fonctionnent les États-Unis. Voilà, donc bon, ça c'est un aspect déjà, premier aspect, hein, d'une part. Il a quand même un sextile avec son Soleil Vénus début d'année, donc là c'est pas trop mal non plus pour voilà, les relations, hein, encore une fois, internationales en neuf. Donc on voit quand même les soutiens qui ressortent, hein, forcément. Mais bon, il y a pas, y a, y, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, forcément, comme on dit. Il peut y avoir des retournements de situation, des périodes où il est bien infecté par des attaques, par exemple, des destructions de villes, de territoires, besoin de soutien supplémentaire, etc. Ça peut être un peu comme ça qu'il faut le voir, hein. C'est la guerre, c'est long. Sinon, si je continue, alors ah oui, alors juste avant, il aura aussi un carré, je suis allé un peu trop vite, là qui se reforme une dernière fois, donc en fin d'année, avec son Jupiter natal. Alors là, encore une fois, il peut y avoir, ça touche l'ascendant, là, ça va le toucher personnellement. Donc en fait, tout ce qui a rapport avec les relations, en fait, ça le touche personnellement. Forcément, il est dépendant de ses relations. Jupiter en Gémeaux, c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup d'échanger. Donc, à mon avis, il est beaucoup dans la communication. Il a son Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, là en exil, donc il doit vraiment avoir des pourparlers. Il doit parler sans cesse pour avoir des solutions, trouver des arrangements, des aides, hein, grâce à d'autres pays, grâce à ses soutiens. Donc voilà. Donc là, il peut être dans des excès, des fortes dépenses aussi. Hein, c'est pas impossible aussi. Et ensuite, alors Jupiter, ensuite, quand il va avancer, il va faire alors à la fois un carré à son Mercure natal et une opposition à Pluton. Donc là, il va vivre aussi beaucoup de renforcement de son pouvoir. Là, c'est un excès au niveau du pouvoir. Et encore une fois, beaucoup d'échanges. Alors attention, parce que carré Mercure, c'est le maître d'ascendant. Il peut, comment dire, vraiment être dépendant de l'action des décisions des autres. Hein. Voilà, il peut vraiment. C'est beaucoup de pourparlers en fait. Hein, il y a beaucoup essayer de trouver des accords. Alors, est-ce que c'est dans la diplomatie? Bah, on voit bien qu'ils veulent pas trop faire de créer d'apaisement. On va voir, hein, selon comment ça évolue. Mais en Capricorne, c'est pas trop. Alors, oui, au niveau des négociations, mais l'apaisement, c'est plus avec la balance, mais comme une opposition Pluton, moi je le vois pas. Pluton en face, non, on ne trouve pas l'accord. On est trop dans des jeux de pouvoir, là, c'est difficile. Et il aura le trigone Lune, natal, Lune, et puis aussi Neptune. Donc, ça c'est pareil, c'est encore des soutiens économiques, hein, Lune et maître de 2. Les trigones de Neptune, hein, donc pareil, il se sent un peu peut-être poussé des ailes, par exemple, dans ses soutiens. Donc on va voir. Hein, alors je sais, c'est un peu abstrait, c'est pas évident de tout voir, de tout
tout affirmer à 100%, mais c'est pour ça qu'il faudra le faire dans le... revenir au coup par coup, en fait, sur les événements, pour voir qu'est-ce qui se matérialise dans les faits. Voilà, donc là, je dresse un tableau général, forcément. Alors ensuite, Jupiter, bah, il va avancer encore une fois. Il va continuer à avancer. Et ensuite, il va passer en taureau. Alors, il va passer en taureau. Et quand il va passer en taureau, attention, parce que d'ici le mois de mai, hein, donc voilà, ça c'est d'ici le 17 mai environ, on voit il y a un carré à Mars qui se reforme. Hop, et donc carré, c'est sa conjonction Soleil-Vénus. Et donc Pluton aussi qui est dans le coup. Parce qu'à cette époque-là, il y aura un carré Jupiter-Pluton dans le ciel, hein, qui sera assez fort, qui ne durera pas très longtemps, mais qui sera quand même assez fort. Donc là, il réactive son T carré au natal. Hein. Et en plus, si vous regardez bien, il a le retour de Mars. Donc ça, c'est très important de voir. Voilà, je le mets, retour de Mars, au même moment. Donc vers la fin mai, 21 mai. Alors ça, par contre, ça augure d'une action belliqueuse, guerrière, forte. Donc là, attention au risque de grandes guerres, de grandes actions guerrière, à la fois donc sur le plan verbal, mais aussi sur le plan physique, hein, forcément. Donc là, c'est une période très risquée. Je sais pas, le mois de mai, de toute façon, à partir de mars, moi je vois ça de plus en plus puissant. Il y a de l'intensité là qui ressort. Donc là, on voit bien, hein, ça grossit avec Jupiter, donc il y a vraiment de l'intensité qui se renforce, qui se décuple. Donc attention, attention, là c'est une période assez critique, hein, avec Mars en plus en double aspect. Donc là, il y a un double carré de Mars, hein, à la fois natal et transit. En plus, il a un Mars rétrograde aussi dans son natal. C'est intéressant de le voir, ça, hein, parce que Mars va être rétrograde bientôt, là, à l'heure où je fais la vidéo, en Gémeaux. Mais chez lui, déjà, il l'a au natal. Alors qu'on a un Mars rétrograde en natal, ça veut dire qu'il a déjà une colère rentrée en lui. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer son Mars. Du mal à exprimer son agressivité. Mais s'il l'exprime, ça peut être assez... fâcheux, assez violent. Et là, d'autant que c'est opposé Pluton, son Soleil, parce qu'il a déjà un Mars-Soleil au natal, donc c'est quelqu'un qui est assez agressif, hein, au niveau verbal, c'est quelqu'un qui est assez véhément. Il n'est pas tendre, avec un aspect comme ça, en Lion-Verseau, là, en l'axe 3-9, donc déjà on voit bien comment il provoque au niveau verbal, hein, c'est un verso, le verso est assez provocateur en général dans ses défauts. Et donc avec un Mars comme ça opposé Soleil-Vénus, c'est quelqu'un qui met de l'huile sur le feu, hein, voilà, qui attise les braises. Hein. En plus Mars-Vénus, on dit que c'est souvent la passion, donc on s'enflamme vite pour une cause. Et là, dans l'axe de la communication, des échanges, des idées, c'est quelqu'un qui est très... qui essaye d'imposer en Lion ses idées. Et s'il les a pas, il peut devenir assez agressif. Hein. Et là, c'est la violence, hein. La violence qui se décuple. Hein. Jupiter-Pluton, dans une notion de pouvoir, avec Mars qui se répète, là, pareil, c'est un aspect encore une fois très, très puissant. Donc je vous ai parlé déjà de Pluton en Verseau qui était important avec cette opposition de Mars, mais j'en rajoute une couche avec cette période de mai. Retenez bien cette date, hein, à peu près 21 mai 2023. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après, hein, c'est pas forcément au jour près, hein, que ça se manifeste, mais en tout cas dans cette période-là, vous allez voir, ça va être assez violent, je pense. Hein. Donc on va voir ce qui en sera d'ici là. S'il est toujours là d'ailleurs, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver sur sa personne, vu les aspects qu'il a aussi. Donc on verra. Donc voilà, donc Jupiter, bah après lui, il continue sa course, forcément. Il continue sa course. Alors, bon, ensuite, les autres aspects. Donc, il aura une opposition Uranus dans le ciel, carré Lune. Donc, là, encore une fois, des fortes dépenses, hein, Jupiter, carré Lune. C'est la même mettre 2-2 en 3, donc il peut avoir des fortes dépenses pour les soutiens. Mais attention, parce qu'il peut se sentir encore plus rebelle, poser Uranus. Donc attention aux réactions. C'est quelqu'un qui réagit vite. Hein, il a une lune Uranus en carré, c'est un uranien, il est Verseau. Donc attention, parce que il est quand même. Il peut rompre court
à toute idée, tout dialogue. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, si on va pas dans son sens, il peut rompre court à tout dialogue, hein. Alors, faut pas toucher à son ego en lion, donc il y a un côté aussi lune en lion là de côté comment dire, si on il n'est pas aidé financièrement, voilà, attention, il peut ruer dans les brancards, et là Jupiter amplifie cet aspect à ce moment-là, août 2023 à peu près. En même temps, il aura un trigone à son Mercure. Donc là, ça peut apporter, encore une fois, des dialogues géostratégiques, je dirais, parce que ça parle à la fois de stratégie, hein. Mercure, c'est les détails, dans une globalité un peu géopolitique, pour des notions de territoire en secret, en douce, forcément. Ça fait un peu l'aspect de l'espion, 8-12, des accords secrets, cachés, mais qui se font dans son sens, hein, parce que c'est un bon aspect. En plus, il a un trigone de Mars-Mercure dans le ciel à ce moment-là, en Vierge, là, donc il y aura un grand trigone de Terre, une grande triplicité de Terre, là, donc c'est vrai qu'il est pas mal à ce niveau-là, au niveau des arrangements. Bon, il y a toujours ce côté-là, mais c'est fait beaucoup dans les secrets, hein. Mercure, les secondes de 12 aussi, donc il y a beaucoup de choses cachées qu'on ne sait pas. Voilà. Voilà, donc voilà pour Jupiter. Alors forcément, il rétrogradera Jupiter, donc forcément, il va repasser, voilà. Il va repasser faire ces aspects que je viens de vous parler à l'instant avec Jupiter. Donc ce sera à suivre de près, parce que du coup, bah, il va reproduire l'aspect du carré à Pluton, là, entre autres. Alors attendez, c'est en début de... Ouais. Alors on le voit pas, mais bon, il sera encore un peu là, quoi, on va dire. Ouais, c'est vrai que l'aspect est un peu... Ouais, il se sépare un peu, il est moins fort. Donc voilà. Et puis il y aura Mars qui va revenir aussi. On va pas faire Mars parce qu'il serait qu'il passe. Il va faire le tour du zodiaque, hein, donc forcément, je vais pas trop détailler Mars. Par exemple, quand il sera conjoint à Pluton, ça peut réactiver voilà, le carré dans le ciel avec Jupiter qui est un peu large, mais voilà, il peut toujours y être. Voilà, donc je suis allé un peu plus vite, on va dire, que pour Poutine. Alors, j'ai peut-être pas tout regardé, hein, forcément. Alors oui, on va terminer avec les nœuds lunaires, c'est souvent important, avec les nœuds lunaires, et on pourrait parler aussi des lunes noires. Mais je vais rester sur... ouais, parce qu'il va y avoir la lune noire. Alors, ça, c'est intéressant, attendez. Il va y avoir à la fois les nœuds lunaires et la lune noire qui va être important, là. Alors, j'ai commencé par les nœuds lunaires. Donc, il va y avoir le nœud sud qui passe, alors... donc qui est passé donc en septembre, hein, août-septembre. Donc on a vu que ça correspondait un peu aux attaques sur Kiev, hein, suite au pont et aussi au Nord Stream. Donc là il vit quelque chose de difficile pour lui. Alors peut-être qu'il est affecté parce qu'il est dépendant des autres pays, donc il est affecté par un pays étranger, la Russie, hein, maître de 9, Uranus en 6. Donc ça peut parler aussi voilà, de ce qui s'est passé actuellement. Donc attention parce qu'il est un peu dans une phase de bouleversement au niveau de son pays, peut-être de son poste, hein, il peut être remis en question là-bas en Ukraine, hein, peut-être qu'on veut plus de lui, de moins en moins. Et ensuite, donc Uranus, là, il continue un peu son influence, on voit octobre, enfin le nœud sud, pardon. Et après, donc 2023, on voit, alors 2023, il va passer sur son, alors c'est plutôt 2024, voilà, il passera sur son Pluton, là. Bon, ce sera important aussi de voir à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer. Donc là, j'ai un peu débordé, il va revivre le retour de l'inversion des nœuds, comme on dit. Après, donc ça va être important là. Mais sur Pluton, il y a une notion karmique sur le côté plutonien, donc le côté un peu de mort, destruction, c'est son maître de 6. Il y aura beaucoup de peut-être de choses à reconstruire pour son pays si la guerre s'arrête d'ici là. Alors c'est pas sûr, mais je pense pas que ça va s'arrêter comme ça malheureusement. Mais en tout cas, il y a une notion karmique là de pouvoir. Hein. De toute façon, avec Pluton, il y a toujours un impact le pouvoir. Donc voilà, on n'y est pas encore. Et alors je reviens encore une fois en arrière, excusez-moi. Donc je vais parler des lunes noires. Donc lune noire, là, je prends la moyenne. Hein. Donc la lune noire moyenne, là, alors, c'est intéressant parce qu'elle est en cancer. Donc il a fait un retour de ses lunes noires en voie actuelle, hein, il y a peu de temps. Donc ça peut réactiver des peurs, par exemple, des zones d'ombre,
Alors, si c'est bien soutenu comme là, le trigone Uranus, tant mieux, ça peut l'aider par rapport au soutien états-unien, par exemple. Mais après, il va avoir donc la lune noire qui est passée sur son Mars, donc le 11 janvier 2023. Alors, on voit il a un trigone Jupiter, donc ça l'aide. Par contre, il va avoir l'opposition lune noire au Soleil. Et ça, par contre, attention, parce que ça peut être un indice karmique de mort, par exemple. Je l'affirme pas à 100%, mais attention. Quand ça touche le soleil, il peut y avoir quelque chose qui est important sur son énergie vitale. Et donc là, le rapport avec, comment dire, bah, les soutiens, l'étranger, hein, en neuf, la communication, là, il peut y avoir un problème, là. S'il devient trop véhément avec son lune noire en Mars, il peut vraiment peut-être commencer à titiller trop l'ours, que d'ailleurs Pluton va se rapprocher dangereusement de son Soleil par la suite, donc attention quand même. Attention à ses paroles en fait et à ses actes, tout simplement. Donc ça c'est une période aussi critique, hein, janvier 2023. Ensuite il passera sur sa Lune. On voit à 17 degrés. Il y a Mars en plus dans le coup, on voit qu'il arrive. Et il y aura dans le ciel, alors là ils ont mis un carré Uranus, mais il est un peu large, mais ça va reformer le carré plus Uranus natal. Sextile Pluton, un peu large, et trigone Mercure. Donc encore une fois, on est dans la maison 3, la lune noire en 3, bah, sur sa lune, son maître de 2, donc là il peut y avoir un rapport avec l'économie, sa personne, donc là les finances, manque de finances. Peut-être que, à force de donner des milliards, bah, les États-Unis n'ont plus trop à donner. Donc, est-ce que ce ne sera pas une période de vache maigre Ça va commencer à être compliqué, hein, surtout qu'après, ça va passer sur Saturne en 4. Ouais, ça va pas être facile. Hein. Hein, une noire sur Saturne, ça, c'est deux planètes karmiques, enfin deux points karmiques du thème. Toujours le carré Uranus qui est présent dans le ciel, hein, donc attention. Et Saturne qui revient en rétrograde, en opposition un peu large, séparant, mais c'est pour ça qu'attention, parce que là, ça amène vraiment ça peut être encore un indice de mort, hein, maître de 8. Un indice de. Ouais. Et en même temps, ouais, donc zone d'ombre, hein, zone délicate, période de. Comment dire, c'est un peu le bilan là, ça fait un peu comment on appelle ça, l'échec cuisant avec un effort dette, parce que la lune noire c'est la dette karmique, donc une dette à payer pour le pays, pour l'État, qui peut être assez, où la note peut être très très salée. Hein. On n'apprend rien, mais en même temps voilà, ça se confirme. C'est vrai que fin 2023, les conséquences risquent d'être très dramatiques pour l'Ukraine. Au niveau, je parle du pays, quoi, que ce soit les infrastructures, enfin tout ce qui est économique, le matériel, enfin on voit bien, destruction de guerre, enfin les actes de guerre, ça fait toujours du mal, hein, quel que soit le pays, quel que soit, c'est jamais bon, forcément. Donc là, comme l'Ukraine est très touchée, c'est vrai que ça fait mal. Alors voilà, j'ai fait un peu le tour, on va dire. Donc c'est vrai que pour lui, c'est pas terrible, hein, on n'a pas de super. Il a quelques soutiens quand même, on voit quand même, il a des aspects de soutien forts quand même, on voit encore. Mais malheureusement, plus on va aller dans le temps, plus ça va être difficile pour lui, j'ai l'impression. Donc on le voit pour Poutine, c'est pas facile non plus forcément, mais même si c'est pas le même au même niveau, c'est pas forcément comparable. Mais pour moi, Zelensky, c'est beaucoup plus délicat, j'ai l'impression pour lui. Donc après, à voir, on va voir. Faut voir avec le temps. Là, je me projette vraiment loin. Alors, on va essayer de faire la révolution solaire. Alors, donc je vais mettre la prochaine, celle de 2023. Donc, il aura un ascendant taureau. Alors, vous avez le thème à gauche, son thème natal, et à droite, le thème de révolution solaire. Donc, ça date d'anniversaire, hein, 25 janvier 2023, j'ai mis. Donc, à sa ville de naissance. Donc il est peut-être à Kiev, bon après ça peut changer, mais j'ai mis à la ville de naissance, hein, sinon voilà, je ne sais pas où il sera à ce moment-là.
Donc ascendant taureau qui tombe dans sa 12, donc l'événement de l'année va concerner des épreuves en 12, des choses cachées. Alors il faut regarder ce que fait l'ascendant. Alors déjà il fait un carré au maître, hein, Vénus-Saturne, donc là on voit vraiment c'est un aspect karmique. Donc au niveau politique, un hein, 11, où il est quand même bien bridé, il est quand même bien dépendant, et il est quand même bien. Comment je pourrais dire, les sanctions peuvent venir aussi sur lui. Hein. Il est frustré là. Il a il dépend trop en fait de bah, des États-Unis, de l'Europe, ça. Donc Saturne est maître de 9. Donc par rapport à l'international, il est dépendant. Et forcément carré à son ascendant là. C'est Vénus, c'est maître d'ascendant. Donc forcément, il risque de vivre vraiment des épreuves. Avec un. Et ça parle de sa destinée, un maître de 10. Hein, donc, il peut vraiment vivre des grandes difficultés hein, avec un aspect comme ça. Heureusement, il a un trigone, donc à Pluton, qui permet de, entre guillemets, revoir certaines choses, peut-être reconstruire certaines choses. Ça, c'est les maîtres de 7, donc. Ça, c'est la mainmise en sous-main, manipulation politique, hein, d'un soutien, forcément, maître de 7 en sextile. Hein, donc voilà. Il aura Neptune conjoint Lune. Alors, son Neptune est bien inspecté, lui, on voit dans son RS, dans sa RS. Donc là, sextile Pluton, trigone à la 7, donc trigone 4, sextile à l'ascendant. Alors au niveau économique, c'est son second maître de 2, Mercure, lui il est en 9, trigone, mais un carré jupitérien qui a quand même des dépenses. Des fortes dépenses, on sait que tout l'argent qu'on lui donne, c'est des prêts, il faudra qu'il rembourse. D'où le fait que. Pour le moment, ça peut l'aider, le soutenir, hein, Trigone Uranus. Mais le carré Jupiter fait qu'à un moment donné, ça va amener des grandes épreuves financières. Ça, hein, Jupiter en 12, attention, hein, maître de 8. Donc là, attention, parce que ça peut vraiment lui coûter très cher toutes ces dépenses de guerre. Forcément, c'est pas gratuit tout ça. Voilà, il risque d'en pâtir. On a vu que Saturne était bien marqué. Et là, Jupiter aussi est touché en 12. Ouais. Alors, il a le sextile Mars qui l'aide pour les soutiens de guerre, forcément. Maître de 12, donc ça le soutient, heureusement. Ouais, il a quand même un beau Mars qui l'aide à l'ascendant. Donc, voilà, il est quand même bien aidé, hein, ça va, il est quand même bien aidé. On a quand même la lune noire opposée au soleil là, qui ressort en RS, donc attention à sa personne encore une fois. Karma assez qui peut donner une fin dramatique par exemple. Hein, mais il a le trigone Jupiter, hein, encore une fois, avec des soutiens financiers de la part d'autrui. Hein. Voilà. Le milieu du ciel en Capricorne, donc il y a une notion d'élévation encore cette année. Mais il y a un changement au niveau de sa carrière, parce que ça tombe dans sa maison 8. Natal, hein, si on reporte le milieu du ciel à 25 degrés 36, là il tombe là en maison 8. Alors, attention parce que je sais pas, moi, avec ce Saturne là qui est quand même à l'inspecter, je me dis qui est maître de sa 10 RS et qui tombe en 8 natal, mal inspecté, il peut vivre vraiment des grosses difficultés. Hein. Puis Vénus qui est conjoint, qui est le maître d'ascendant. Le côté atteinte à sa personne n'est pas impossible, attention, avec un aspect comme ça, de par un pays étranger, de par des alliances, des en 11, peut être lâché aussi, donc attention, il peut se retrouver seul par exemple, ou avec moins de soutien à un moment donné, même s'il a de forts soutiens économiques à un moment donné, il peut, bah, je sais pas, ça peut être aussi. Rembourser aussi ce qu'il doit à un moment donné, hein. Il peut y avoir il peut y avoir des choses comme ça. Hein. Donc, voilà. Sur un plan affectif aussi, c'est pas terrible. Donc voilà, ouais, sa RS, c'est pas folichonne non plus. Malgré les soutiens.
Voilà, donc surtout ça que je vois. Alors je vais pas non plus trop m'étendre. Alors je vais regarder. Alors oui, j'avais vu aussi quelque chose d'intéressant. Attendez, je fais dans l'ordre. La nouvelle lune progressée. Alors la nouvelle lune progressée. Alors, il l'a eu en 2020. Il a eu une nouvelle lune progressée en 2020, qui est tombée dans sa maison 10. Faisant un trigone à Uranus et un carré à Neptune. Ouais. Ça maîtrisait sa lune Neptune. Donc là, il y a eu des désillusions, des fortes désillusions. Voilà. Et je suis. Alors, nouvelle lune. Donc celle qui va tomber en scorpion, qui est une éclipse partielle. On voit, ça tombe dans sa maison 5, là, carré à son Mars natal. Et ça, c'est assez important, plus carré à son Soleil. Donc ça forme un T carré. Donc là, encore une fois, attention, parce que la nouvelle lune, là, du 25 octobre, vu que c'est une éclipse partielle, ça peut durer des mois en influence, quelques mois en tout cas. Et ça peut refaire des violences, hein. Encore une fois, on est en scorpion dans le signe de la mort, des signes des transformations, des changements. Voilà, un peu la destruction. Hein. Alors, car à son soleil, à son mars, il y a de l'agressivité forcément qui se réactive. Donc attention aux actes assez destructeurs, ouais, à ce moment-là. Donc voilà, ce sera important là fin octobre, donc c'est bientôt, hein. Il va se passer des choses. Alors même si on est dans une période un peu balance, on essaie de trouver des accords, ça risque de pas trop non plus être facile à trouver. Ça risque malheureusement de réactiver encore des scènes de guerre, forcément. Voilà. Et donc les directions secondaires, donc. Actuellement, alors, il a le soleil en poisson à 20 degrés. Donc il avait eu un carré Neptune qui s'éloignait, à Uranus, le trigone s'éloigne. Il a eu le trigone Mars dans le ciel. Donc pour l'instant, non, pas d'aspect, on va dire, c'est des aspects qui se séparent. Mercure-Vénus, donc en bélier, à 1 degré. Ça fait des caresses à lune noire. Donc là, on voit qu'il est dans une période un peu sombre, un peu obscure, un peu délicate. Ça peut jouer sur son moral, hein. À l'ascendant, il peut y avoir vraiment quelque chose qui le marque. Enfin, il est assez marqué, hein. Psychologiquement. Psychiquement, même en cancer, ça peut jouer quand même sur son état moral, c'est ses humeurs, hein, il est pas trop bien là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour l'instant, il y a ça. Et il y aura un trigone donc à son Mars. Enfin, il y a eu un trigone à son Mars, donc ça c'était avant. Donc il était porté quand même par l'action de guerre au niveau, on va dire, assez confiant, assez positif, mais. Là, plus ça avance, ça se sépare, et du coup, maintenant, c'est les lunes noires qui sont touchées. Voilà. La lune, il a une lune en bélier actuellement, donc une lune assez guerrière. Hein. Donc là, il peut être très réactif hein, pendant toute cette période de cette année, même l'année prochaine. Voilà, ça se termine l'année prochaine, d'ici un an environ. Donc là, c'est vrai qu'avec une lune en bélier, on est assez réactif. Et à opposer Pluton, ça donne quand même un aspect un peu violent. Alors heureusement, il l'a au natal, sextile. Donc ça compense un peu, on va dire. Mais attention, soutien politique, hein, lune en 11. Au niveau financier, c'était un sommet de 2. Donc on voit bien les soutiens pour faire la guerre. Hein. Tout ça, c'est des jeux politiques. Et donc, il a un carré à Mercure. Partile, donc opposé Saturne, ouais, opposé Pluton, carré Mercure, quand même de l'inquiétude pour lui, et voilà, ça fait quand même des nombreux morts, hein, on voit.
Son maître d'ascendant, ça joue quand même sur son moral. Hein. On voit bien, Mercure, c'est le maître d'ascendant, c'est le mental. La Lune, second maître d'ascendant. Donc, il est quand même touché, on va dire, psychiquement, mentalement. Il a quand même. Faut être fort hein, pour vivre un truc comme ça, diriger, être un peu chef de guerre, comme on dit, et mener cette guerre-là. Ça va pas être facile tous les jours. Pour dormir, ça va pas être facile. Hein. Voilà. Ensuite, l'année prochaine. Alors. Donc, il va arriver fin bélier, après début taureau. Donc, sa lune progressée va faire un quart à son Mars. Donc, on revoit le côté belliqueux. Donc, ça sera plus vers fin d'année. Hein, parce qu'en septembre, il est encore à 28. Donc, je pense d'ici fin d'année, il sera sur son Chiron en plus. Donc attention encore une fois, parce que ça peut jouer sur des blessures, donc sa personne. Alors c'est en 11. Donc il peut être. Il y a un rapport avec la politique, les autres. Donc les pays. Est-ce qu'il ne sera pas menacé hein, de plus en plus hein, par la Russie hein, c'est pas impossible. C'est même certain, je dirais. Parce que plus il met de l'huile sur le feu, forcément, la Russie va pas se laisser faire. Donc, est-ce qu'ils vont pas vouloir le dézinguer ou d'un moment pour. Je sais pas. C'est pas impossible. Je peux pas l'affirmer à 100%, c'est le problème. Hein. Ce serait trop facile, sinon, si je voyais tout. Il a l'ascendant progressé qui passe sur son Mars. Donc, ça, c'est pareil, c'est un indicateur qu'attention, ça peut jouer sur sa santé, sa personnalité. L'ascendant qui tombe dans sa maison 3. Donc, là, il y a encore ce côté mental qui est agressif au niveau verbal, les provocations, voilà, donc provocations de guerre, on voit, ça ressort quand même. Mars carré Lune, il est assez véhément, il a besoin de soutien économique, donc peut-être qu'il va encore râler, peut-être qu'il va encore s'énerver voilà, pour qu'on l'aide. Voilà ce que je peux dire en gros. Hein. Mars progressé, lui, il est un peu loin. Donc voilà, donc je vois pas d'autres aspects particuliers. Donc, je vais faire un peu moins long que l'autre vidéo, mais c'est vrai que, on peut voir quand même que, dans son thème, c'est pas facile. On voit le côté véhément, agressif, qui ressort avec les soutiens et malheureusement, ça va monter en tension avec un risque forcément sur sa personne qui peut avoir lieu. Alors c'est pas facile de l'affirmer, mais en tout cas là on voit l'aspect du, comme je vous ai parlé de, c'est au mois de mai, je crois 21 mai, j'ai dit, risque d'être important à suivre. S'il faut retenir une date, celle-là elle est quand même assez parlante, je trouvais. Donc on verra ce qu'il en sera. En tout cas, j'ai l'impression que ça va continuer ainsi. Hein. Je vois pas la paix, je vois pas la guerre s'arrêter. En tout cas, il peut y avoir des périodes un peu plus peut-être de calme ou de pacifique à un moment donné, mais ça va être par épisode. Mais à mon avis, là, on est tombé dans quelque chose qui va pas s'arrêter du jour au lendemain. Hein. De toute façon, on avait déjà averti que la guerre serait très longue. Donc, on est dans une période assez compliquée là, juste pendant des années. Hein. Donc ouais, 2023 encore compliqué, malheureusement. Et donc, pour Zelensky, ça va être aussi assez compliqué pour lui. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a néanmoins plu. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Voilà, et puis je vous dis forcément une prochaine vidéo pour la suite des événements. Portez-vous bien, au revoir.